Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CVAT04. On se retrouve pour un vol qui m'était proposé par GamerX, qui était de faire un vol Saint-Domingue à destination de Caracas au Venezuela. Je vais faire ce vol en A320 LATAM. Je crois que c'est ce qu'il m'avait proposé. Enfin oui, je me rappelle pas avoir choisi d'avion. Voilà. Et bon bah voilà, un petit vol de 1h14 minutes. Et puis voili voilou. Allez, on va pas tarder plus de temps et on va démarrer cet avion. Bon alors, on va déjà se mettre sur l'external power, les batteries, on aligne les IRS bien sûr, on coupe les fuel, enfin les pompes hydrauliques et on allume les nav logo. On importe le plan de vol, ground service, ça c'est bon. Mass and balance, fast time 5 minutes. Load aircraft, ok, il est en train de se charger. Les gars, il y a un problème là. Si AP1 et AP2 sont engagés, c'est qu'il y a un problème. Bon, j'ai pu régler ce problème de reverse et d'autopilote. Ah oui, parce que j'ai eu un problème de reverse aussi. Non mais déjà les gars, j'ai eu que des problèmes. Et quand je recommençais sans problème, j'oubliais d'enregistrer la vidéo. Ça fait au moins 3 ou 4 essais que je fais, ça doit être le quatrième. C'est juste un enfer. Tout est en train de charger à bord de l'avion, c'est super. Je sais pas si ça je l'ai fait, bref, IRS init, uplink, confirme ligne, le vent, le vent, le vent, le vent, wintac, ça va se faire tout seul. Du coup, nous sommes LAN 29, 69, attendez, je vérifie quand même que ça enregistre bien, sinon j'ai pas envie de me refaire douiller. C'est bon, ça enregistre. Donc, Cost les niveaux de vol 360, Flaplan Departure, piste 17, parce qu'en soi on peut se le permettre, les vents sont nuls. Voilà, parfait. Enfin, je dis ça, j'ai pas regardé les vents. On va refresh encore une dernière fois. C'est pour la 17, c'est parfait. On va faire juste un dernier truc. Fix info, donc Mike Delta Sierra Delta, unité 7. Parfait, cap 174 à l'arrivée. Une arrivole ILS10, No Star Insert. Voilà, on va juste supprimer le discontinuity. Normalement, les radars navigation, ils vont être paramétrés automatiquement. Ça, il manque deux personnes et on peut faire send to MCDU. Demis, send. Ensuite, du coup, on va partir de la 17. Je finis que par connaître par cœur le truc. Hein. Voilà, calculate, send to MCDU. Normalement, si je vais dans perf, tout y est. On va allumer l'APU. Non, 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 vous allez pas me faire genre, il y a un problème à chaque fois. Non, ça commence à me saouler là. Auto shutdown. Je vais leur tirer une balle. Si j'ai pas allumé la batterie, sûr, ça va pas le faire. Allez, ça devrait le faire comme ça. Le temps que tout se charge dans l'avion, enfin que les ILS surtout se chargent. Sierra Victor Mackindia, unité 0. Voilà. Flyplant. Ici, on va pouvoir se mettre en auto. Ignition start. Voilà. On va pré-shot le départ. Modifier le repoussage prévu. Ah non, mais c'est bien ça. Ah, ça l'a même enregistré vu que je l'ai pas utilisé. On va connecter le remorqueur. Ah. Non, du coup, faut vraiment pas faire ça parce que là, on n'a pas fini de charger l'APU. Allez, c'est bon. Ok. Alors, on va pouvoir allumer les beacons, les diverses pompes. La carte est rentrée. Les moteurs sont prêts à être démarrés. L'avion se fait lever tranquillement. Commencer le repoussage. Moteur 1. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs and crew instructions, including the following safety procedures. Pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, jackets, and the brace position, which you must adopt if you hear brace, brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. The cabin crew are now pointing out the exits nearest to you. Please be aware that your nearest usable exit may be behind you. Emergency lighting will guide you to an exit. In an emergency, leave all baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened whenever the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above you. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Hold the mask in place with the strap, pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, take a life jacket from under your seat. Remove from the pouch and put it over your head. Pass the tapes around your waist and click together. Pull the strap to adjust. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. When outside, inflate it by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up,
blow into this tube. There is a light and whistle for attracting attention. The cabin crew can assist you with life jackets for children. Your tray table must now be stowed, armrest down, window blinds open, and seatbelt fastened. Further information regarding your safety on board can be found in the in-flight magazine. We hope you have a great flight. Bon voilà, on a déjà un moteur qui a démarré, c'est super. Maintenant on va démarrer le deuxième. Du coup 2, 4, 6, ça c'est bon. Moteur 2 au démarrage. On va allumer les taxi lights et les wings. Ça me semble bon. Fuel, on va regarder s'il est bien balanced. Il est balanced de malade. Ou pas trop non. Ah si c'est bon. Si c'est bon. On a les mêmes ordres de grandeur, on a 20 kg de chaque côté. Juste un père, faudra contrer ma 0.5, d'accord. Ok, le deuxième moteur est démarré. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on dise au repoussage d'arrêter. On peut partir tranquillement. Autobrakes max, mode normal, flaps up. Un cran de flaps nous suffira du coup. Là, on va se mettre en auto, all et TA. On va trimmer à 0.5. Full left check, full right check, full up check, full down check, full left. Full right. On peut couper la PU. Les pompes sont allumées. Tout est bon. Oula, les 9 logos. Ça n'était pas allumé. On fait à part dessus. Et on va pouvoir rouler jusqu'à la piste. Allez, c'est parti. Nous arrivons donc au point d'attente sur lequel on va pas trop patienter, pas trop s'attarder. On va juste faire take-off config, passer les lights en take-off. Normalement ça devait être bon, passer le transpondeur en TARA. Attention, c'est parti. Man Trust. Flex 64. SRS Runway Auto Trust Blue. Et on décolle sur Saint-Domingue. Je crois que c'est Saint-Domingue, c'est ça. V1. Rotate, ok c'est parti. Oh il a mis du temps à décoller là aussi. Positive rate, gear up. Ouais, en fait on avait un peu de vent d'eau. En fait c'est parce qu'on avait du vent d'eau. Pourtant la météo me disait que c'était bon. Parfois il ne faut point se fier à la météo, comme quoi. Allez, on passe l'autopilote. On va pouvoir couper les lights. On passe en trucks
climb, spoiler. On arrive en slat, flaps up. Et on va pouvoir se retrouver jusqu'à 5000 pieds pour pouvoir avoir d'autres. Pour continuer les procédures. Bon, décidément, aujourd'hui, je suis pas très réveillé. C'est pas grave. Du coup, on a passé les 10 000 pieds. On peut passer les lumières en off, les passagers en off, et si on va les libérer un petit peu quand même. Ça serait l'idéal. Puis, je pense qu'il n'y a pas trop d'action à faire. On va juste pouvoir régler notre petite vue pour la croisière. Voilà, comme ça, ça vous plaira, je pense. Et on se retrouve de l'autre côté pour l'atterrissage en vous souhaitant un très bon et agréable vol. Alors mesdames et messieurs, pour des raisons pratiques pour ce vol, nous ne sommes pas montés au 360 étant donné que l'avion avait l'air de ne pas pouvoir monter au 360, mais c'est pas un problème, écoutez. On a pu se débrouiller, on est monté au niveau 3-0. On va mettre les autobrakes en low, armer les spoilers pour l'atterrissage. On va remplir la page next. Alors, ah oui, d'ailleurs, bon, je vous ai pas montré cette carte pour l'approche, enfin, pour l'écollage, mais bon, c'était pas très utile. Alors, atterrissage, il va faire 29 degrés là-bas, une température plutôt agréable. Le QNH aura de 10, c'est plutôt un bon QNH. Le vent, il n'y en aura pas trop, 4 nœuds. C'est du 0,90 pour du 4 nœuds, 129,34 vitesses d'atterrissage. D'ailleurs, je me suis aperçu, j'ai pas encore lancé Volanta, du coup, le temps de vol risque d'être un peu décalé, je risquerai de rajouter 2-3 minutes. Alors, on va faire une approche. ILS 10 gauche. Alors, 3D, 12 pieds. Il faut qu'on arrive à 5000. Il faut que je règle à 4000 pieds, voilà. Et 464. Donc, 4000, 464.
4 en barreau. Et là, faut jouer avec sur 4000 pieds. Et là, on est prêt pour l'atterrissage et on se retrouve dès qu'on arrive un peu plus bas, bien sûr, en sortant les spoilers au maximum. Et puis voilà. Bon, nous arrivons en altitude, à l'altitude de 10 000 pieds. On est encore un peu en altitude, je crois. Ouais, ça devrait le faire. On devrait descendre tranquillement d'ici peu. Bon, on va l'aider quand même à ralentir. On va se mettre à un demi. On va sortir les lights, les wings, attacher les passagers parce que ça commence à devenir tendu. ILS de chaque côté. Voilà, allumer la PPR pour l'approche, le terrain. Mais bon, ça va pas tourner sérieux. Et on se retrouve encore pour plus bas. Je sais, ça fait du step by step. Mais bon, c'est un peu obligatoire. Bon, nous arrivons à 5000 pieds. On commence à ralentir fortement pour l'atterrissage. On est à 16 nautiques de la piste. On attrape l'ILS d'ailleurs. Bon, pour l'instant, je freine pas parce que je suis assez. On va bien freiner. On va sortir un cran de flaps directement. Et on va aller se foutre en slat. Autopilot 2, les lights. La vitesse me paraît plutôt bien. On va sortir les slats. Du coup, on va continuer à ralentir. On va se maintenir à 182, pardon. Hop, 180. On va armer les spoilers. Voilà. Bon, d'ailleurs, sur l'aéroport, on sortira le plus vite possible. On freinera bien. Bon, du coup, on va atterrir, on va sortir via Delta. Si on peut, voir Echo. On remontera la piste jusqu'à Golf. Et là, on se posera là et on éteindra l'avion. Ça, c'est le programme. De toute façon, voilà. Ok, vu qu'on arrive vers les cinétiques, on va commencer à dire à l'avion de ralentir. Train d'atterrissage cinétique. Flaps 4. On se met en ready for landing. Bon, alors, j'avais déjà fait une tentative d'atterrissage dessus. Avec beaucoup de vent, comme je vous ai dit la première fois, j'ai dû faire un redécollage. Ça va pas se reproduire là. Même si ma foi il y a quand même pas mal de vent. Et non, mais on n'est pas des houlettes. On va atterrir en manuel. 1000, j'ai pris. Je suis beaucoup trop. Faut que j'arrête de regarder les messages. Allez, on pique un peu. C'est mauvais, j'ai pas trop le droit, mais on le fait quand même. Vous connaissez cette règle, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais on va bien se poser, rassurez-vous. On va juste bien under the belts. Allez, on va bien poser les poser l'avion. Minimum. Minimum. Continue. Hop, allez, on continue à pousser en butée. Enfin, pas en butée quand même. Voilà, 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 voilà. Oh merde. Voilà, parfait. Bon. Allez, allez, pose-toi, 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 pose-toi. Hop. Allez, train d'atterrissage. Non, reverse. On freine au max.
Allez, hop, spoiler retract, standby, standby, red winds off. Et puis voilà. Ok, on arrive à la porte. Bon, juste, ça fait un peu de la merde parce que je suis en train de faire 2-3 trucs à côté. C'est vraiment pas l'idée, pas l'idéal surtout. Du coup, on peut continuer, on peut couper les taxi lights, allumer la pub bleed, couper le moteur 2. Je vous rassure, hein, tout ce que je fais, je suis 100% conscient. C'est-à-dire de rouler vite, de remonter les pistes, de piquer, de remonter derrière. Je vous rassure, je sais. Je sais pertinemment que c'est pas du tout ce qu'il... Alors, c'est complètement déjà l'opposé de ce qu'il faut faire. Que c'est pas censé être... Je serai le premier à respecter la checklist. Mais le problème, voyez-vous, évidemment, je suis pressé. Que je sacrifie certains trucs pour le temps. Mais en fait, j'ai pas envie de me mettre en retard. Parce que bon, de une, ça reste un jeu vidéo. Mais je me dis, j'ai... Enfin, vous savez pas ce que c'est de tourner une vidéo. Enfin, genre, ça prend un temps énorme. Et du coup, bah forcément, à un moment, je suis obligé de me presser un petit peu. Sinon, ça le fait... pas. Ok, déborde. Voilà, parfait. Connecté external power. Beacon et wings off. Passenger off. Crew supply off. Les IRS 1, 2, 3 off. Batterie off. Emergency exit light. No smoking. On les met en off aussi. Retire les contraintes. Normalement, ça m'a l'air bon. Si j'ai pu surpayer le générateur et sur external power. Voilà. Eh bien, écoutez, super vol. Super vol. Alors, on va juste regarder le débrief de vol et après il va falloir que j'y aille. Mais bon, on a quand même un peu de temps. Débrief de vol. Du coup, on a fait un vol de 1h05 minutes. Bon, faut se dire qu'on rajoute 5 minutes avant, pour le décollage. On a fait à peu près 1h15 de vol, 1h10 de vol. Moins 336 à l'atterrissage, 80 nautiques. Oh, une suite de 3 pour le consommation de carburant. Enfin, un passager, 129 vitesse d'atterrissage, plutôt bien. 1,21, oui, c'est vrai qu'on a posé fort. On a posé très très fort. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon, de très bonnes vacances. Et écoutez, portez-vous bien. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Vat04. À la prochaine, à plus.